Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir, chers amis. Donc, nous sommes chargés. Pour le moment, non. Nous n'avons ni énergie ici, ni énergie à gauche. C'est bien dommage, sachant que nous avons actuellement de quoi charger. Voilà, ça y est, ça charge. Petit à petit, ça charge. Donc, c'est plutôt bien. Nous allons essayer d'optimiser notre base dans cet épisode. On va essayer de donner donc un petit peu de chance avec tout ce qui est la recherche. On va espérer trouver des choses intéressantes. On va essayer de pouvoir aussi essayer de construire un petit peu. Il me semble que nous cherchons à construire un véritable générateur solaire. Ce qui pourrait être intéressant. Nous n'avons pas encore eu, sur cette planète en tout cas, de tempête. Par conséquent, j'estime que je n'aurai pas... Ah, bug de son. C'est impressionnant, c'est le premier qu'on vient d'avoir. Ce n'est pas bien grave, en soi, je n'aurais pas donc à potentiellement attendre. Ah la vache. Et la recharge est déjà terminée malheureusement. Nous n'aurons donc pas eu suffisamment... Alors attendez, est-ce que je vais... Si ce n'est pas... J'ai eu le temps de le terminer, c'est parfait. Et ici, vais-je avoir le temps? Non. Voilà, c'est fini malheureusement. Nous trouvons donc du titane, on a un petit peu de chance, c'est pas véritablement ce que j'attendais, mais c'est toujours ça de prix. Nous allons retourner, je pense, dans notre caverne que nous avions pu trouver précédemment. Malheureusement, avec une quantité d'énergie qui va être très très limitée. Crac, allons-y. Hop. Heureusement, la gravité est vraiment cool, cette planète. Ok, allons-y. Ici, nous avons de la résine. Ce qui va pas être ce que nous recherchons pour le moment. Pas du tout, à vrai dire. Puisqu'en fait... Ce qui serait intéressant de trouver à l'heure actuelle, ce serait du cuivre ou autre chose. Je ne sais plus exactement ce qu'il faut pour construire un générateur solaire, malheureusement. Alors effectivement, oui, je suis encore out of, on va pas dire ammo, mais c'est le principe. Out of mana, on va dire out of énergie, tout simplement. Voilà, de la résine supplémentaire. Parfait, on a deux de résine. Connais la chute de la blague? C'est ta chute à toi. Donc en termes d'énergie, j'en ai trouvé un petit peu par terre, donc là c'est très très cool. Ok. Résine supplémentaire, pourquoi pas. Le souci, c'est que jusque là, en fait, on va être dans la merde. Puisque de toute façon, avec de la résine, je vais pas aller bien loin. Un truc qui brille rouge là-bas. What the fuck? Problème étant principalement ces plantes. Que je n'arrive pas du tout à me débarrasser. Dont je n'arrive pas du tout à me débarrasser. Ou alors ce que je peux faire, c'est essayer de. Hop, voilà, de les enterrer, mais le problème c'est que c'est pas une solution sur le long terme. En termes d'énergie, d'ailleurs, je suis un peu débile, là, je... Voilà.
Ce qui m'en reste. Il m'en reste une. Ce qui veut dire que je ne serai pas à même d'aller en chercher. Oh là là. Déjà ? Je suis trop loin pour prendre des dégâts, on est d'accord. Voilà. Parfait, et de deux. Je crois avoir eu celle-là aussi. Ce qui en soit est assez cool. Ce qui cependant sur certains autres aspects l'est beaucoup moins. En l'occurrence sur le fait que je suis plus ou moins dans le caca pour ce qui est. Là j'ai un poil d'oxygène. C'est assez cool en soi. Donc là apparemment il y avait de l'énergie au-dessus. Et encore une fois le problème reste le même. Je n'ai actuellement ni résine. Enfin j'ai de la résine, mais je n'ai pas de composite. Non, là-bas, ce n'est pas de la résine. Je vais aller voir rapidement. Putain, j'ai oublié ces saloperies. C'est de la résine? D'accord. Merde, je pensais que c'était pas de la résine. Ok. Alors, vous deux, du coup. Vous allez tomber dans l'oubli. Moi je vais reconstruire au-dessus de vous. Tout bêtement. Voilà. Crac. Et je pense que cet outil-là sert à aplanir les choses. Hop. Merde, c'est un peu compliqué à utiliser quand même comme outil. Hein. Ok, bon, on va partir là-dessus. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, je n'ai ni énergie. Aïe, aïe! Oh la vache, la portée de ce truc! Non, toi tu viens par là. Hop. Adieu. Ville créature, voilà, tombe dans la caverne d'en dessous. Ça vaut mieux. Crac. N'empêche, on a toujours un problème de taille. C'est qu'on n'a pas. C'est qu'il nous manque un compo, c'est du composite. Ça, c'est un véritable problème. Ce qui veut dire qu'on va devoir changer de caverne, je pense. Donc autant ramener un truc. Hop. Par contre, niveau résine, on a trouvé ce qu'il fallait. Hein. Mais apparemment, à la surface, il n'y a pas grand-chose, cette planète. Hein. Et quand je dis pas grand-chose, c'est pour dire qu'il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce que... C'est ma base? C'est ma base, d'accord. Je ne me rappelais pas qu'elle était aussi droite vis-à-vis de la caverne. Mais ce n'est pas grave, hein. c'est pas plus mal. En tout cas, ce jeu est vraiment sublime. À chaque fois que je sors de cette planète, je sais, enfin, de ce trou, je sais que je dis ça, mais... Vraiment, vraiment, ce jeu a un attrait, un quelque chose qui fait qu'on le trouve cool. Panneau solaire, il faut donc deux composites que je n'ai pas. Et là, je trouve du composite. Merci le jeu. Il va vraiment falloir plus d'énergie. Et surtout un petit peu d'exploration. What? Bon, les choses apparaissent un petit peu de manière stupide, mais ne vous inquiétez pas pour autant.
Ok, il y a l'aluminium à foison ici. Ok. On retourne à la maison, mais là je crois avoir vu un truc rapidement dans le... dans la roche. Ressources organiques. What the heck? Je sais pas si je peux le porter sur moi ce truc là. Ah, je viens de supprimer, de vider mon... Vous savez, ma recharge d'oxygène. Je sais pas vraiment ce que c'est que tout ça. Et on n'a pas trouvé ce qui nous intéressait le plus sur cette planète. Alors je sais que je pourrais très bien repartir rapidement, reposer tout ça sur place. Mais de mon point de vue, ce serait pas très RP. La résine à foison, ça c'est cool. Pour l'instant, je vais le poser là, même si je sais que c'est pas ce qui est utile. Lui, il devrait pouvoir commencer à charger. Alors, vu qu'il est mal placé, j'imagine que non. Voilà, là il sera beaucoup mieux. En tout cas pour un départ. Il n'empêche qu'on a toujours le même problème. Niveau composite, on est toujours à zéro ou presque. On va aller fouiller un petit peu derrière ces collines. Truc étrange là-bas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Étrange. Là, ça, je sais ce que c'est. Par contre, en bas, il y a une station. Oula. Oulala. Je m'en doutais un petit peu. Je me disais qu'avec la gravité, ça allait passer, mais non. Par contre, ça, c'est dommage. Merci. Crac. On y retourne. Pensez attention qu'on n'a pas trop, on va dire, de... d'oxygène à l'heure actuelle. Hein. Donc il va être nécessaire de trouver... Non! Oh non! Oh, pas pour si peu! Ok. Ça va être finalement plus compliqué que prévu. Puisqu'apparemment quelques mètres dans ce cratère font que je meurs. On va y aller vraiment tout doucement. Ah voilà, je suis en glissade. L'objectif serait de retrouver mon premier cadavre. Voilà. Et de récupérer l'oxygène qui était dedans. Ah. Voilà, mais il n'y en a plus. Malheureusement. Et lui, il n'avait rien. Alors, niveau oxygène, ça pue du cul, là. Je vais pas le faire. Suffocation. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Je m'en doutais, c'était 10 secondes. Je m'en doutais. Bon, c'est pas grave, on est mort juste à côté, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer notre Maccabé. Mais le problème reste le même. Le problème reste le même, c'est qu'à l'heure actuelle on n'a aucun composite à distance, en tout cas pas très loin. Ce qui fait qu'on a du beaucoup de mal à en trouver plus. Alors je pourrais aller chercher plus d'artefacts,
Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de jouer au jeu, pour le moment en tout cas. J'ai plus envie de parier sur ce que je vais trouver. Ce qui me semble logique en soi, hein. Là, on a 50%, je peux donc faire demi-tour. Et on n'a rien trouvé dans cette direction. Alors, apparemment, vraiment, en surface, il n'y a rien. Il n'y a véritablement rien, à part de l'aluminium. Chose qui est normalement censée être assez rare, hein. Ouais, je suis dessus. Hop, voilà. Ok, titane. Alors je vais finir par prendre... Partir ailleurs, on va essayer comme ça. Alors au niveau des sons, le jeu est assez poétique aussi, hein. Je dois reconnaître que là pour le coup. Si je passe par au-dessus, peut-être que je peux me raccorder dessus, je sais pas. Un petit peu. Un petit peu. Voilà, là je me suis déconnecté. J'ai perdu ma balise d'oxygène. J'ai perdu ma sur ma mon oxygène supplémentaire. Je viens de m'en rendre compte, chers amis. De m'en rendre compte, chers amis. Pardon. Hop. Faut que j'aille refouiller tous mes cadavres. Tous mes cadavres. Ok. Je l'ai retrouvé. Oxygène. Je l'ai. Recharge. Voilà. Crac. Voilà. Bien fait de faire attention. Alors, un petit peu d'exploration, d'exploration, d'exploration. Mais finalement, on ne trouve vraiment pas grand-chose cette planète. Nouveau biome. Je pensais qu'il allait y avoir plus de choses. Mais apparemment non. On va récupérer l'artefact. On va y aller. J'estime que c'est par là. Donc on ne voit plus du tout le symbole de la base. Ce qui peut être véritablement dangereux. C'est bon. Phew! Ok. J'ai vidé le premier. Ça y est, je viens de recharger. Ok. On va le mettre sur la recherche. On va prier pour que ce soit intéressant pour nous. Parce que finalement, si ça peut être du composite. Apparemment non. De l'habitat. Un habitat? Oh. D'accord. Ah cool, c'est-à-dire que je peux peut-être revenir ici en fait avec la base. D'accord. C'est sûr en fait là je peux pas revenir ou ça me l'indique pas, je sais pas. Ça non, bah non, ça me permet simplement de construire une base ailleurs. Je suis trop con, bah oui. Je suis trop con. C'est simplement ça. Ok. Ok d'accord, je... Pourquoi pas. Pour l'instant en fait je pense que je vais prendre ça. Chers amis, je vais en faire des rallonges. Tant pis. J'ai véritablement besoin de ces rallonges. Et je vais aller dans le cratère. Vous savez, le fameux cratère
Je suis mort plus d'une fois. Oula. Crac. Donc ce n'est pas celui-là. C'est-à-dire celui où il y avait au fond, chers amis, apparemment, des choses intéressantes. Ok. Voilà. Ok. Voilà. L'objectif étant de descendre petit à petit. Et surtout de faire un chemin qu'on puisse remonter ensuite. Sauf que le problème, c'est que je n'ai déjà plus de composants. Enfin, de rallonge. Oh la vache! C'est chaud! C'est carrément chaud, j'ai déjà plus de rallonge. Comment je suis censé faire? Cette planète est beaucoup plus dure à appréhender que prévu. Je suis déjà à 22 minutes d'épisode. Merde! Ah, ça me fait chier là pour le coup. Bon, bah je vais chercher une autre... Un autre artefact. Tombe bien, il y en a un juste là. On va bien voir ce qu'il y a dedans. On verra bien. C'est vrai que là, pour le coup, je suis assez surpris et désagréablement surpris. Surtout ça qu'il faut dire. Attendez pas autant de difficultés. Alors pas du tout. Du titane supplémentaire. Titane dont je ne trouve pas l'utilité. Ah attendez, quoique. Composite rallonge, réserve. Réserve, d'accord. Plus d'oxygène. S'il me fait deux rallonges. On va bien voir. Je me fais deux rallonges d'oxygène. Et je vais aller essayer de rejoindre le... Rejoindre le truc, mais sur mes batteries. Sur mon oxygène. Est-ce que c'est valable ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que c'est faisable? Allons-y. Je peux y aller en ligne droite, ce sera 100 fois mieux. J'ai rien dit pour la ligne droite. Oh le calvaire. Le calvaire.
Sachant qu'il va falloir que je creuse aussi sur place. Sans doute. Je vais aller voir. Ah, il est encore plus bas. Niveau oxygène, ça va. J'ai connu pire. Tout c'est de savoir si je peux remonter. Donc là, par exemple, je peux retourner prendre de l'énergie et de l'oxygène, on est d'accord. Ok. Donc on va faire ça comme ça. J'ai envie de l'atteindre avant la fin de l'épisode, chers amis, je suis désolé. Je vais essayer de recharger ma batterie aussi au passage. Peut-être avoir un peu plus de... d'énergie du coup. Est-ce que je peux remonter là ou pas? Oui. Je peux remonter ensuite. Ok, on y va. Il y avait une grotte ici, quoi. Il y a des compos. Pas énormément, mais il y en a. Je sais pas ce que je dois chercher là-dedans, en fait, c'est ça le truc. Il doit y avoir un cadavre pas loin aussi, non? Autre que le mien, je veux dire. Non, je sais pas. On a gaspillé un oxygène. Et ça, ce n'est que de la résine. Il y a du verre là-bas. Je sais pas ce que c'est. Merde. Ok, faut que je remonte. Là, il faut absolument que je remonte. Hop. On aura atteint le truc comme je voulais. C'est déjà ça. Hop. Limite, si je pouvais. C'est juste histoire d'avoir une protection, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Oh là, c'est un peu dur. Crac, ok. On est bon. On est bon, on est bon. On n'a pas trouvé du tout ce qui nous intéressait, du coup. C'est ça qui m'embête. J'essaie de creuser un peu de manière random. En termes de chance, c'est pas très top. Ok. Donc, il va falloir que je mise sur les artefacts plutôt que sur le reste. Donc j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé du cuivre, de l'aluminium et du lithium. Ok. J'avais pas mis un composite ici. Putain, quel con. Quel con. Non, c'est de la résine. Attendez. C'est quoi? Non, c'était de la résine. Merde. Bon, ok. Ok, ok. Donc cette planète est vraiment désertique, hein, pour le coup. Il va me falloir deux composites pour pouvoir revenir ici. Allons-y. Enfin, je présume que c'est pour revenir ici. Elle est en plein sud-est. Oh la vache. Et y'a rien. Y'a rien, chers amis. Oh là 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 là. Oula. Ça, je m'en doutais, c'était un coup à mourir. Y'a une grotte ici. Y'a une grotte, y'a une grotte, y'a une grotte. Vite fait une balise, je peux pas. Non, parce qu'il faut du composite que je n'ai pas.
Ah! C'est censé être commun, le composite. Ok. Bon, apparemment, il est très très dur de trouver du composite sur cette planète. Ok. Bon, on va se mettre là. Et nous, on va se laisser là, chers amis, pour cet épisode. On va essayer d'en chercher un petit peu plus dans le prochain. Je pense qu'on ira voir dans quelques grottes. On va peut-être aller farmer un petit peu les artefacts pour voir si on peut pas trouver des choses intéressantes dedans. Et on se retrouvera donc dans le prochain épisode pour un peu plus d'exploration et de découverte dans Astronir. Salut les gens et yop!